Bonjour à tous et bienvenue sur ce 9e épisode de la série sur la VPC. On filme ce truc. Aujourd'hui, on va parler du dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité pour un marchand de proposer des produits qu'il n'a pas en stock. Voilà, de les faire livrer par un tiers. Alors, ça existe depuis toujours. Le terme dropshipping est assez récent, mais la technique existe depuis toujours, puisqu'elle existe depuis que des grossistes existent. Pour tout vous dire, moi, j'ai connu le dropshipping de deux manières. En tant que vendeur, il y a longtemps maintenant, d'abord avec des câbles, où on avait des grossistes spécialisés en câbles qui nous proposaient, vu que ça ne demande pas énormément de ressources ni de techniques d'expédier un câble, qui nous proposaient directement d'envoyer les câbles, non pas de notre entrepôt, mais du sien, pour éviter le passage par notre entrepôt et donc le temps que ça bloquait. On passait de 48 heures avec une livraison directement depuis son entrepôt chez le client 48 heures plus tard, à deux fois 48 heures, puisque ça devait d'abord arriver chez nous, puis ensuite repartir chez le client. Donc le client gagnait 48 heures, voyait pas de différence, et on assurait la garantie quoi qu'il arrive. Deuxième exemple, c'était du temps des télés cathodiques, où on avait des télés de 70 kg sur le marché, vraiment les monstres, hein, les gros trucs énormes, et là il fallait vraiment des opérateurs spécialisés pour gérer l'expédition des colis. Donc au lieu de commander un premier frais de port pour le faire venir chez nous, que ce soit une camionnette, etc., un livreur, un transporteur, et ensuite le livrer au client, et ben on préférait directement livrer le client, tout le monde gagnait du temps, et on évitait de payer deux fois les frais de port. Donc c'était vraiment la base du dropshipping, et ça avait du sens. En fait, le dropshipping dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est plutôt celui qui consiste à créer une boutique virtuelle, et non pas virtuelle au sens sur internet, dématérialisé, mais virtuelle au sens de rien du tout. C'est juste du marketing, une jolie image, une jolie page web, mais pas de stock, pas de personnel pour gérer le stock, juste une personne, un webmaster qui va gérer les commandes et demander donc à un tiers d'expédier tout le matériel, de faire tout le boulot. Voilà. Il n'y a rien d'illégal à ça, je connais même des exemples de boutiques de dropshipping qui ont du sens. Deux exemples me viennent en tête, un spécialisé dans le matériel d'art et les produits japonais, avec quelqu'un qui sait lire le japonais, qui sait négocier en japonais, et qui donc va faire payer son expérience de négociation en vous proposant des produits directement issus du Japon, qu'il ne livre pas lui-même, mais qui va pouvoir sélectionner et vous expliquer à quoi sert tel ou tel produit. Donc ça, c'est un premier exemple. Il gagne sa vie en faisant une page web qui va bien expliquer aux petits français comment utiliser des produits japonais. Et donc c'est assez intéressant. Deuxième exemple, c'est quelqu'un qui va gérer des produits frais. Et au lieu de stocker des produits frais qui deviennent donc plus frais, va demander au producteur de vous les envoyer directement. C'est du dropshipping, mais on va dire que là encore il y a une plus-value parce qu'il va permettre de gérer un panier global qui va aller piocher dans 10, 15, 20, 30 producteurs différents. Donc vous gagnez du temps parce que vous avez cette solution. Lui va gagner une marge là-dessus et évidemment tout le monde s'y retrouve. Non, le vrai problème, c'est des gens qui font du dropshipping totalement virtuel et surtout totalement illégal. Alors, il n'y a rien d'illégal dans le dropshipping, mais par contre, il faut absolument se déclarer, évidemment, déclarer son activité, gérer son SAV et gérer les problèmes qu'il peut y avoir avec la vente par correspondance. Donc, on l'a vu, il peut y en avoir beaucoup. On l'a vu dans les autres épisodes de cette série. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire juste une chose très habile. Ils vont faire un meilleur travail d'indexation sur les moteurs de recherche, ce qui est assez facile quand le grossiste, le vendeur est situé en Asie. Ils vont faire un travail local. Donc, ils vont s'intéresser de façon très locale à un pays, intégrer les produits du catalogue d'un marchand qui est situé en Asie la plupart du temps, sur une page web qui va être bien mieux référencée sur le pays choisi. Donc typiquement la France, vous allez traduire des pages web, reprendre des jolies photos ou en refaire vous-même, faire une jolie page, une jolie présentation, beaucoup de marketing,
Et derrière, rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de personnel à payer pour gérer ce stock, vous n'avez pas de call center, vous n'avez personne qui répond aux mails, vous avez juste une page web. Et derrière, un produit qui est vendu 4 euros en Asie, vu qu'il va siphonner tous les résultats de recherche des moteurs de recherche, va être vendu 25 euros en France. Il n'y a rien d'illégal à ça, tant que c'est déclaré et que c'est fait, on va dire, correctement pour la gestion du SAV, la gestion des problèmes qu'il peut y avoir avec les commandes. La plupart du temps aujourd'hui, quand je tombe vraiment nez à nez avec des sites de dropshipping, je ne vais pas en citer, mais on est face à un nom de domaine qui est enregistré de manière totalement anonyme, hébergé par un serveur qui a été enregistré avec un nom tout à fait bidon, et la plupart du temps, il n'y a aucune coordonnée de la part du marchand, donc on ne sait pas qui vend quoi, c'est pas référencé, etc. C'est juste bien écrit en français, ça fait croire, plus ou moins, de façon plus ou moins habile, que c'est situé à côté de chez vous. Donc en fait, grosse surprise quand on commande un produit tout bête à 10 euros et qu'on reçoit ensuite un produit 45 jours plus tard, parce qu'il vient de Shenzhen, dans une enveloppe absolument neutre. Vous recevez ça chez vous et vous avez reçu une facture électronique par email. Le souci de ça, c'est que comme le nom de domaine est bidon, comme l'hébergement est ailleurs et comme le moyen de paiement peut être géré avec un nom bidon ou enregistré dans un autre pays, la personne qui va gérer ce site peut couper le site du jour au lendemain. Et généralement, c'est ce qui se passe quand il y a trop de problèmes avec les commandes. Quand il y a trop de retard, quand il y a trop de SAV, quand il y a trop de gens qui vont râler parce que le produit ne correspond pas à leurs attentes, plutôt que d'avoir à tout gérer, c'est plus simple de détruire le nom de domaine, de garder son hébergement ou d'en changer de plateforme pour changer d'IP, et d'ouvrir un nouveau nom de domaine avec exactement le même site, mais un nouveau logo, et puis de reprendre son business tout à fait illégalement ailleurs. Donc on peut comprendre qu'un revendeur qui doit gérer des salaires, qui doit gérer des stocks, qui doit gérer des entrepôts, demande une marge, c'est même tout à fait logique, il a besoin de faire des bénéfices, etc. On peut comprendre qu'un revendeur cherche à marger sur des produits. Quelqu'un qui fait absolument aucun travail à part le travail de marketing, il ne fait qu'une fois et après enregistre les commandes, fasse des marges souvent assez énormes parce qu'il fait un meilleur travail, on va dire, de renseignement des moteurs de recherche, c'est déjà plus difficilement justifiable. Mais le fait qu'en plus vous puissiez avoir zéro SAV parce qu'il va décider du jour au lendemain de couper son site, ça c'est vraiment gênant. Donc si vous avez déjà reçu ou si vous recevez un produit qui a mis beaucoup de temps à venir alors que vous les commandez sur un site français dans un paquet absolument neutre où il n'y a ni facture ni écriture mais que ça vient de très loin, vous avez à 99% de chance à faire à du dropshipping. Et donc dans ce cas-là, par rapport à ça, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter le marchand pour lui demander comment se passe le SAV, voir un petit peu où ce qu'il en est. S'il n'y a pas de réponse, vous ne recommandez plus jamais dans la boutique. Si vous avez une réponse encourageante mais pas vraiment de fait, vraiment établie, vous ne recommandez plus jamais dans la boutique. Donc je ne dis pas qu'il faut absolument se méfier du dropshipping, mais il y a quand même beaucoup de gens qui profitent de la méthode aujourd'hui pour se faire une petite place au soleil à peu de frais et sans payer d'impôts. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le dropshipping. Prochain épisode, je ne sais pas quand il va ressortir, parce que c'est un gros morceau, on va parler des garanties.